Dans le final, on était un peu stressé parce qu'on n'arrivait pas trop à reprendre du temps sur les échappées. Bon, on a fait un gros travail aujourd'hui, l'équipe a tenu la baraque toute la journée, donc j'avais une petite pression, je voulais vraiment gagner aujourd'hui. Les trois derniers mois ont été difficiles pour moi et retrouver le chemin de la victoire, c'est une grosse satisfaction. Qu'est-ce qui fait la différence avec vos principaux adversaires dans ce final? Ce qui fait la différence, c'était une arrivée difficile, les 300 derniers mètres ont monté. Moi j'étais super bien placé, il y a Dominique Trollin qui est à 0 km avec Mickaël Delage en la roue. Et Mika a fait un long sprint jusqu'à 250 mètres de la ligne. Et voilà, j'avais plus qu'à faire le reste. Et quasiment que votre équipe qui a roulé sur les échappées aujourd'hui, vous avez une explication? Oui, toute l'équipe, ils ont fait un super boulot. Francis a roulé quasiment tout jusqu'à 30 km de l'arrivée devant. Et après, voilà, il y a eu Arthur Vichot, Jérémy Roy a été protégé pour le classement général, mais vraiment tous les mecs, David Boucher, Pierrick Fedrigo, tous les mecs de l'équipe ont fait un super boulot pour revenir sur les échappées. C'est l'un des premiers objectifs de l'équipe qui est atteint aujourd'hui? Oui, voilà, on est venu là pour les victoires d'étape, et aussi le classement général avec Jérémy Roy. Pour ma part, quand j'ai les envies au sprint, je donnerai toujours au maximum. Merci, bravo. Merci.